Mario et Julien sont frères et sœurs, mais c'est Julien l'aîné. Ils s'aiment si fort que rien ne peut les séparer. Marguerite, Julien, revenez! Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Juliette m'a dit que Joséphine les avait vus au marché. C'est pas vrai. Si, si, je te jure. Elle les a même vus s'embrasser. Je serai plus méfiante. Vous perdez votre temps. Vous essayez de contrôler quelque chose qui vous dépasse. Qui nous dépasse tous. Ce serait une catastrophe si la chose est connue. Nous avons joué, c'est tout. Il faut les séparer. Ils ont mis tout en œuvre pour nous séparer, mais rien n'y fera. On ne peut pas séparer le sang des veines, la sève de l'arbre, ni le sel de la mer. Ça s'appelle Marguerite et Julien. Je joue Marguerite et Jérémy Elkaïm joue Julien. Et c'est une histoire de frères et sœurs et c'est une histoire d'amour. Et c'est un film d'époque qui raconte l'histoire d'un vrai frère et d'une vraie sœur, mais filmé par Valérie Donzelli, donc avec son ludisme et sa fantaisie. Donc je pense que ça produira un objet étonnant, très étonnant. C'est un scénario qui a été écrit pour Truffaut, mais pas par Truffaut en fait, par Jean Grue. Oui, elle s'est vraiment approprié le scénario. Elle est vraiment... Non, il y avait... Enfin, moi je n'ai pas du tout pensé à François Truffaut. Non, elle est vraiment très, très présente, cette Valérie. Enfin, je veux dire, elle a quelque chose de tellement... à elle, tellement singulier que quand on tourne avec elle, on pense à elle, quoi. Et à ses idées, elle a des idées tout le temps, des idées très très singulières. Donc c'était elle le film. L'empreinte du film, c'est vraiment elle.